Bonjour les amis, bonjour les copines, salut les copains. Est-ce que vous avez bien dormi? Ah, nous on a plus ou moins bien dormi. C'est levé tôt ce matin par contre. Notre papa et notre maman, ils ont dû se lever tôt aussi. Vous vous levez tôt aussi le matin? Et papa et maman doivent se lever tôt aussi? Ah, mais moi j'aimerais bien faire la grasse matinée. Mais moi aussi, mais j'arrive pas encore. Ben moi non plus, j'arrive pas encore. Mais sûrement que ça va arriver. Oh, regarde, il y a un cœur. C'est une histoire avec un cœur aujourd'hui. Oh, j'aimerais bien savoir. Mais il y a quelque chose qui écrit dessus. Va aller voir. Oh, il est écrit I love you. Qu'est-ce que ça veut dire, I love you? Ah, tu sais pas? C'est en anglais. Ça veut dire je t'aime. Oh, c'est beau. Ben oui, c'est beau. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une histoire de petits jumeaux. Des jumeaux. C'est quoi les jumeaux? Ah ben, les jumeaux, c'est deux frères qui sont nés en même temps ou deux sœurs qui sont nées en même temps et ils sont tous les deux pareils. On appelle ça des jumeaux. Ah, donc si moi j'ai un Nicolas qui me ressemble complètement, j'aurai aussi un jumeau, c'est ça? Oui. Et si moi j'ai une sœur qui me ressemble complètement, j'aurai une jumelle. Oh, c'est trop comique. Bon, on est prêt pour le spectacle? On y va? Un, deux, trois. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, 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 trois petits tours et puis s'en vont. À tout à l'heure, les amis. Bon spectacle. Ah là là, j'aime, 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 j'aime. Oh, j'aime tout. J'ai décoré ma chambre. Regardez. J'y ai mis un cœur, I love you. J'aime la vie, j'aime mes amis, même si je ne peux pas beaucoup les voir pour l'instant. Oh, c'est un peu embêtant, mais on se téléphone souvent ou on s'envoie des petits messages comme je fais avec ma mamie et mon papy. Vous faites ça aussi, envoyer des messages par WhatsApp? Ben nous aussi. Moi aussi je fais ça. Je demande à ma maman si je peux regarder sur le téléphone portable si ma mamie ou mon papy ils sont connectés, et alors je leur téléphone ou je leur envoie un petit bisou ou je les ai même en vidéo. Ah, c'est chouette hein. La fois passée, il paraît que Jules et Joline et pas Émile, mais Jules et Joline, ils ont fait à Viviane un WhatsApp. Elle était contente, il paraît. Alors, elle avait un cœur tout rouge comme celui-là, en disant « Ouais, moi j'aime bien, ouais. » Mais j'ai un petit souci, les amis. Vous voulez savoir lequel? Oui? Mais voilà. J'ai reçu deux doudous. Mais pas des doudous comme tous les autres. Des doudous qui sont pareils. Des jumeaux doudous, deux petits nounours, deux petits nounours tout à fait les mêmes. Mais j'ai un problème. Il y en a un qui n'est pas gentil avec l'autre. Et je ne sais vraiment pas quoi faire. Mais d'ailleurs, je vais vous les présenter, comme ça vous allez voir. Vraiment bizarres, mes nounours. Bon, il y en a un qui s'appelle Mika,
et l'autre qui s'appelle Camille. Mais vous allez voir. Si vous avez une idée, vous me direz comment faire pour qu'ils s'entendent bien tous les deux. Ils se ressemblent tous les deux. Ils sont presque les mêmes. Il y a une toute petite différence, vous allez la voir. Mais il y en a un qui n'arrête pas de se vanter. Je suis le plus beau, je suis le plus grand, je suis ceci, je suis cela. Et l'autre, il n'ose rien dire. Et pourtant, moi, je les aime tous les deux de la même manière. Comme quand papa et maman, ils ont un autre petit bébé, ils ont leur grand cœur qui s'ouvre de la même manière pour les deux. Alors moi, je sais vraiment pas quoi faire parce que j'en ai plus qu'assez de cette situation. Ils n'arrêtent pas de se vanter, de se disputer, de se chamailler. Ah bon, ben allez, on va les appeler. Mika! Mika, où es-tu? J'arrive. Ha ha! Salut les copains! Ça, c'est Mika. On dit bonjour à Mika. Qu'est-ce que tu dis, Mika, aux copains? Bonjour! Ha, vous allez bien, les copains? Moi, je suis le plus beau des petits oursons. Regardez, je me suis fait un nœud tout rouge. C'est parce que je suis le plus beau des petits oursons. Maman, je suis pas ta maman, je suis la poupée. Non, mais ma maman à moi, c'est toi quand même. Ben oui, bon, allez, t'es mon doudou à moi, je suis d'accord. Est-ce que tu m'aimes très, 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 très fort? Mais je te l'ai déjà dit, je vous aime tous les deux très fort. Non, mais moi tout seul, tu m'aimes très fort? Mais bien sûr que je t'aime très fort. Ah, alors je suis contente. Je vais aller chercher mon frère, ok? Oui, on va appeler Mika. Camille. Camille, viens vite dire bonjour, s'il te plaît. J'arrive. Ah, bonjour les amis. Oh, vous êtes tous bien gentils. Oh, et vous êtes tous très beaux. Oh là là, vous êtes bien assis. Oh, je vous aime déjà très fort. Comment tu vas aujourd'hui, Camille? Je vais bien. Mais tu n'as pas mis de nœud? Mais non, je n'en ai pas trouvé. Il y a mon frère qui a trouvé un petit nœud, mais moi, je trouve pas de petit nœud pour mettre autour de mon cou. Ah, mais écoute, je t'en ferai un. Ça va? Parce que maman, elle m'a donné du tissu, mais c'est du tissu comme ma robe. Ça te va du tissu comme ma robe? Ah oui, j'adore votre robe. Elle est très, 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 très belle. Oh, tu es un gentil. Et vous êtes très belle aussi. Oh, tu es un amour. Allez, viens que je t'embrasse. Bon, moi, je vais vous laisser tous les deux un petit peu jouer parce que je vais aller aider maman à faire la vaisselle. Oh oui, je vais rester avec mon frère. Ok, on va jouer tous les deux ensemble. Mais pas vous disputer. Non, 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 moi, je n'aime pas quand on se dispute. C'est jamais pas gai. Non, on dit pas c'est jamais pas gai, on dit ce n'est pas gai. Ah oui, ce n'est pas gai. Bon, allez, je te laisse. À tout à l'heure, hein, les amis. Il paraît qu'on doit jouer à nous deux. Allez hop! Je suis là! Oui! On peut jouer à nous deux. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on jouait à saut de mouton? Oh oui, ça c'est une bonne idée. Mais toi tu n'es pas assez capable de sauter, tu es trop petit. Mais non, regarde, je suis de la même grandeur que toi, regarde. Oui, mais toi, tu es moins beau que moi. Mais non, regarde, je suis comme toi. Oui, mais toi, tu es moins fort que moi. Mais c'est pas vrai, je suis aussi fort que toi. Ah non, mais toi, tu es moins intelligent que moi. Mais non, je sais compter jusque 10. Écoute, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, et moi, je sais compter jusque 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
que tu es plus fort que moi. Je sais que tu es plus intelligent que moi. Je sais que tu es plus beau que moi. Je sais que tu es plus fort que moi. Mais est-ce que tu es plus gentil que moi? Gentil, mais c'est pas important d'être gentil. C'est pas une qualité, ça, hein, les amis? Être gentil, c'est pas important quand même, être gentil. Les amis, vous trouvez que c'est pas important d'être gentil? Il faut être gentil entre frères et sœurs. Il faut être gentil entre jumeaux. Vous trouvez pas que c'est important, ça, être gentil? Pour moi, je trouve que c'est très important d'être gentil. Parce que quand on est gentil, on est fort aimé. On est aimé par sa maman, on est aimé par son papa, on est aimé par son frère, ou on est aimé par sa sœur, ou on est aimé par notre petite princesse à nous, là, tu sais, notre petite chérie de petite princesse. Hein? Oh, tu m'embêtes avec cette gentillesse. Bon, allez, si on jouait maintenant. Ok, c'est moi qui commence. Puisque je suis le plus fort, le plus intelligent, le plus beau, c'est moi qui commence. Ok, installe-toi, s'il te plaît. Ok, attention, voilà. Ah, 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 je vais me mettre comme ça. Bien droit, voilà, voilà, voilà. Bon, je vais courir très vite et sauter au-dessus de lui. Attention, je fais saut de mouton. Ouais, j'ai réussi. Je recommence. Attention, je me tiens bien droit. Je suis prêt. Je cours très vite et hop. Voilà, j'ai réussi, on peut m'applaudir. Applaudissez-moi, moi le plus fort, le plus grand, le plus intelligent, le plus beau de tous les nounours. Hé, petit frère, ouh, réveille-toi, petit paresseux. Mais je ne suis pas paresseux, j'attends mon tour. Maintenant, c'est ton tour. Ok, alors tu t'installes. Tu t'installes comme moi, je me suis installée très bas. Oui, oui. Non, mais je ne me suis pas installée comme ça, c'est pas juste. Mais non, moi je suis vraiment bien couchée comme ça, moi j'ai fait comme ça, très très bas, comme ça, et toi tu lèves ton derrière. Allez, descends ton derrière comme moi, tout bas, 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 bas. Oh, tu veux rien entendre, tu es pas gentil petit frère. Oh là là, mon jumeau, il est embêtant, il fait toujours des sucienes. Il croit toujours qu'il est le plus intéressant. Moi, j'aime plus ça. J'en ai un plus cassé. Oh, il faudrait bien une fois le remettre à sa place. Hein. Bon, allez, on y va. On va faire un grand bond et on va essayer de sauter autour de lui, au-dessus de lui. Attention. 1, 2, 3. Boum! Ouais! J'ai réussi. Ah, oh, mais je suis fort. Hein? Oh, je m'attendais pas à ça. Je suis presque aussi fort que lui. Bon, allez, on va essayer de l'autre côté. On se tient bien droit. Attention. 1, 2, 3. Bouf! Oh, j'ai réussi. J'ai réussi. Hé, Mika, j'ai réussi. Oh, et t'as triché. J'ai vu que t'as triché pour réussir. Mais non, les amis, j'ai pas triché. J'ai sauté plus haut, c'est tout. Toi, sauter plus haut. Mais t'es incapable de sauter. T'es trop bête. Mais non, je t'assure, les amis, que j'ai sauté bien haut. Oh non, mais t'es nul. Mais non, je suis pas nul, les amis, que j'ai sauté aussi haut que je pouvais sauter. Oh, tu n'es qu'un menteur, tu n'es qu'un tricheur, t'es qu'un petit. Oh non, arrête de te moquer de moi, j'en ai plus qu'assez. Oui, vraiment, j'en ai plus qu'assez. D'ailleurs, je m'en vais. J'avais vu les amis, c'est moi le plus fort. J'arrive toujours à mes fins. Et mon frère, vraiment, mon frère jumeau, hein, Camille, il est nul. Nul, nul, nul. Bon, oui, il n'est pas très beau non plus, hein, mais ça, il n'en peut rien. Hein. Mais il n'est pas fort, mais ça, c'est parce qu'il ne fait pas d'effort. Hein.
Puis il n'est pas intelligent parce que il passe son temps à lire et pas à compter. Moi, je passe mon temps à compter et lui à lire. Oh, c'est bête de lire, hein. Vous aimez bien lire, vous, les amis? Ah, vous avez de la chance, parce que moi, les histoires, sauf les histoires que maman raconte avec sa bouche, ça j'aime bien, mais pas les histoires avec des livres, hein. Et vous, vous aimez les histoires avec les livres ou avec la bouche? Ah, vous aimez les deux, oh, oui, bon, allez. Bon, mais moi, je vais aller compter dans mon coin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, violette, violette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, violette à la bicyclette. Oh, je suis vraiment trop triste. Oh, mais qu'est-ce que je vais devenir avec ce frère que j'aimais gentil avec moi? Je ne connais pas la gentillesse. Oh, je suis bien malheureux. Oh là là. Oh, si j'avais quelqu'un qui pouvait venir pour m'aider, comme magique, le magicien. Oh, je serais vraiment très contente. Il faudrait qu'il trouve une solution pour nous. Magic, c'est le meilleur, le plus gentil des magiciens de la Terre. Oh là là. Qu'entends-je? On a parlé de moi. Oh, bonjour les amis. Vous allez bien? Il y a un problème? J'ai entendu un petit nounours pleurer et être triste. Vous le connaissez? Vous l'avez vu? C'est Camille. Oh oui, le pauvre. Il a un frère qui est épouvantable. Il se prend pour le chef, alors qu'ils sont tous les deux jumeaux. Oh là 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 là. Il faudrait lui donner une petite leçon à celui-là, pour bien montrer que la gentillesse, c'est la plus belle des qualités. On peut être très intelligent, on peut être très fort, on peut être très beau, mais être gentil, les amis, avec son frère ou avec sa sœur, c'est la plus belle des qualités. Jamais se plaindre, toujours faire des bisous. Et jamais reprocher. Vous reprochez pas, vous, à votre frère ou à votre sœur, d'être comme ils sont, hein, n'est-ce pas? Bon, voyons, voyons ce que je pourrais lui demander. Oh, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Je vais l'envoyer chez l'extraterrestre. Oh, vous le connaissez pas. C'est une nouvelle marionnette. Comme ça, vous ferez sa connaissance. Elle est très impressionnante. Bon, je vais appeler Mika. Vous m'aidez à l'appeler? Mika! Mika! Oh, c'est le magicien qui m'appelle. Oh là là! Salut, magicien! Comment tu vas? Oh, je vais très bien, merci. J'ai un petit service à te demander. Un petit service à moi? Oui. Est-ce que tu pourrais aller chez l'extraterrestre? L'extraterrestre? Ben oui, bien sûr, l'extraterrestre, oui. Oui, ok, il fait peur. Ok, il est grand. Ok, il vient d'une autre planète. Mais il a quelque chose que j'aimerais bien avoir et que j'aimerais bien que tu prennes. Ah oui, et c'est quoi? Ça s'appelle le coussin de Marie. Le coussin de Marie? Oui. C'est un coussin magique. Il fait dormir. Et moi, j'aime bien dormir. Alors tu vois ici, regarde, ici dans dans ma boîte, ici dans ma jolie boîte. Elle est vide. Je pourrais le mettre dans ma boîte. Et le soir, avant d'aller dormir, regarde, c'est une boîte avec un cœur. Avant d'aller dormir, je m'endormirai avec le coussin de Marie et je ferai de beaux rêves. Ok, je vais aller le chercher pour toi.
Ok, voilà. Et je le mettrai dans ta boîte. Oh, tu es gentil. Non, je ne suis pas gentil, moi. Moi, je suis très intelligent. Je suis très fort. Et tu verras, je vais y arriver. Je vais aller voir ton extraterrestre. Oh, tu es... Oh, merci. Merci, merci. Merci. Merci, Mika. Vas-y, dépêche-toi. Allez. Ça alors, il croit que je ne suis pas fort assez pour aller voir l'extraterrestre. L'extraterrestre. Moi, je le connais, l'extraterrestre. J'y arrive. Oh! Que viens-tu faire chez moi? Le quoi? Dis-le-moi! Même quand on est intelligent et qu'on est fort et qu'on est beau. Non, c'est vrai, je pensais que j'étais plus fort que ça et plus intelligent que ça. Et bon, je suis toujours, mais voilà, j'ai vraiment eu peur. Écoute, rentre à ta maison et va te reposer un peu. Oui, je vais de ce pas. Maintenant, les amis, on va essayer avec... Camille, on va voir si lui va réussir. Camille, Camille, on l'appelle. Camille, Camille. Oui, grand magicien, bonjour. Bonjour Magic, comment tu vas? C'est à moi de te demander comment tu vas. Mais je vais bien, merci. J'ai mes copains qui sont là, ils sont très gentils avec moi. Oui, je vois. Camille, j'ai un petit problème. J'aimerais bien remplir ma boîte avec mon grand cœur d'un petit coussin qui s'appelle le coussin de Marie. Et il est chez l'extraterrestre. Est-ce que tu peux aller le chercher pour moi? Ah, mais moi j'ai peur de l'extraterrestre. Et vous, les amis, vous avez peur de l'extraterrestre? Ah oui, c'est vrai, j'ai peur de l'extraterrestre. Je suis pas très fort. Je suis pas très intelligent. Mais pour vous, magicien, je vais essayer. Je vais essayer d'aller chercher ce coussin de Marie. Oh, c'est gentil parce que tu vois, si tu me le ramènes, je pourrais le mettre dans la boîte et tous les soirs avant d'aller dormir, je pourrais le prendre et il me servirait d'oreiller. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Alors franchement, je vais essayer pour vous faire plaisir. Oh, tu es bien gentille, Camille. Allez, va. Oui, mais avant de partir, je vais chercher quelque chose. Va chercher tout ce que tu veux. À tout à l'heure. Je vais prendre quelque chose en échange. Comme ça, je vais donner à l'extraterrestre quelque chose. Je vais aller le chercher. Voilà. Ah oui, c'est lourd. Bon, allez, on est parti. Ping, ping, voilà. Oh, j'arrive. Oh! Oh, bonjour, monsieur l'extraterrestre. Oh! Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Je vous ai apporté un pot de miel. Oh, un pot de miel! Mais tu savais que j'aimais le miel! Oui, je savais que vous aimiez le miel. C'est pour vous. Vous pouvez le manger. Oh, mais ça, c'est gentil. Et qu'est-ce que tu veux en échange? En échange, j'aimerais bien pour Magic, le magicien, la petite balle magique, la petite balle de Marie. Oh, alors, on va échanger. Tiens, moi, je te donne la balle et toi, tu me donnes le miel.
Voilà, voilà, voilà. Merci, merci. Non, mais tu m'as pas encore donné la belle. Attends, je vais te la donner. Je dépose le miel et je te donne la balle. Voilà, 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 voilà. Oh, vous me faites un peu peur. Vous avez une grande voix. Oui, c'est parce que je viens d'un autre pays, d'une autre planète. Je suis un grand extraterrestre. Oui, bon, mais je vous laisse manger votre miel. Au revoir, l'extraterrestre. Au revoir. Au revoir. Oh, il m'a fait peur, mais j'ai réussi. J'ai pu ramener la balle. Appelez le magicien. Appelez Magic. 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 J'arrive. Oh, j'ai eu très peur, mais je vous ai trouvé votre balle de votre coussin de Marie. Prenez-le. Oh, merci. Camille, tu as bien réussi. Je te félicite. Tu es bien fort. Tu es bien intelligent. Oh, tu es bien beau. Comment as-tu fait? Eh bien, voilà. J'ai amené un bol. Enfin, non, pas un bol. Un petit flacon de miel. Et il était très content d'avoir eu du miel. Et en échange, il m'a donné le coussin de Marie. Oh, alors je vais le mettre dans ma boîte pour ce soir. Voilà, je vais la fermer. Oh, mon coussin, il n'est pas très bien mis, mais je le ferai tout à l'heure à l'aise. Oui, bon, mais je vais rentrer chez moi. Non, 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 attends un petit peu. On va appeler ton frère. Il va venir. Va le chercher d'ailleurs, va le chercher. Petit frère, Mika! 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 Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore, petit frère? Toujours le même qui rouspète. Mika! J'ai réussi! Oh, c'est pas possible! Si, si! J'ai vraiment réussi! Oh, toi, tu n'es pas le plus fort! C'est moi le plus fort! Non, je t'assure! J'ai réussi. Non, c'est moi le plus fort. Arrêtez de vous disputer tous les deux. Mika, tu as essayé, tu n'as pas réussi. Ton petit frère, il a essayé, il a réussi. Donc, ça veut bien montrer que vous êtes tous les deux aussi intelligents l'un que l'autre. Il y en a un qui a utilisé une technique pour pouvoir avoir le coussin de Marie. Et l'autre, il a eu un peu peur. Mais c'est pas pour autant que toi, Mika, tu es moins intelligent, ou moins fort, ou moins gentil, ou moins tout ceci ou tout cela. Et c'est pas pour ça que Camille, il est moins intelligent, ou plus fort. Vous êtes tous les deux pareils. Alors, faites-vous un gros bisou et soyez amis pour la vie. Et soyez gentils tous les deux. L'un envers l'autre. Oui, faites-vous un bisou. Oui, on va se faire un bisou. Je t'aime, mon frère. Je t'aime aussi. Ah, vous voyez bien que ça marche bien. Il faut s'aimer, hein? Hein? Oui, je t'aime très fort. Moi aussi, je t'aime très fort. Excuse-moi d'avoir été méchant avec toi. Oui. On est tous les deux pareils. Écoute, demain, je vais te faire un joli nœud comme moi. Oh, tu es gentil. Oui, j'ai compris que d'être gentil, c'est quand même super. Oui, et j'ai compris que tu étais très intelligent aussi. Et très fort. Toi, tu n'as pas eu peur de l'extraterrestre. Mais bien sûr que j'ai eu peur de l'extraterrestre. Mais j'ai essayé, c'est tout. Eh bien... Je te félicite. Bravo. Bon, allez, viens, on va aller jouer. On va aller jouer de nouveau à saute-mouton. Oui, tu me promets que tu te mettras bien. Mais bien sûr, j'ai compris. Au revoir, les amis. Au revoir, à bientôt. Oh là là, mais quelle histoire. Oh, c'est contente que ça se termine bien. Mika, il n'était pas très gentil avec son frère Camille. Hein? Oh là là. Mais finalement, il y a eu un début et il y a eu une fin. Et ils s'entendent très bien maintenant.
Je suis très content. Ils s'entendent comme nous deux, comme frères et sœurs. Oui, mais eux, ils sont jumeaux. Oui, mais c'est la même chose. Nous, on s'entend toujours. Je peux te faire un bisou, Nicolas? Mais oui! Allez. Je peux te faire un bisou, Pimprenelle? Mais oui! On s'aime! Ouais! C'est le plus beau des cadeaux. Bon, on y va? On compte jusque 3? 1, 2, 3. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font trois petits tours et puis s'en vont. À demain.